bois là ? Oui, dessous en fait, c'est une tomate. Salut à toutes et tous. Donc aujourd'hui je suis dans le Périgord, Périgord blanc si je ne me trompe pas, à côté de Périgueux, en compagnie de Maxime la guêpe, Julien, et puis devinez. Eh ben oui, Michael, bien sûr. Donc, alors, je vais vous faire un petit tour du camp. Le temps est relativement dégagé, si ce n'est que, bon, ça menace un petit peu. Donc, on s'est tous préparés à recevoir la flotte, quoi. Je vais vous montrer un aspect global du camp. Et je ferai un truc un petit peu plus détaillé par la suite. Donc là-bas au fond, c'est moi. Mais on ira voir ça de plus près après. Hein. Voilà. Ça vous donne déjà une petite idée. Et deux de mes trois compères qui sont ici, à savoir Julien et Michael. En sachant que Maxime s'est évaporé dans la nature, mais alors on ne sait pas où. Hein. Mon couchage est donc aujourd'hui constitué de deux éléments, le tarp Décathlon et le poncho russe. Donc je me suis un tout petit peu inspiré du montage qu'avait fait Samuel. Alors moi j'ai laissé ouvert et ça me donne une super surface. Et puis en fait je préfère cette fois-ci prévenir, j'ai assez donné cette année avec les intempéries, donc le poncho ok, mais je me suis quand même préparé une petite zone vie pour rester au sec quoi, au cas où. Et donc on peut voir que ça fait quand même une sacrée surface. Ensuite on va s'approcher du camp. Alors ils dorment comme ils ont envie de dormir en fait hein. Donc ils dorment en carré, à savoir Julien qui s'est posé ici avec le hamac. Il a fait descendre une bâche complètement à l'arrière pour bien se couper du vent. Et ici là, il est fait devant une espèce de petit auvent également pour se protéger de la pluie qui pourra rabaisser éventuellement si jamais ça venait à pleuvoir un petit peu trop. Ici donc on a notre ami la guêpe qui est fidèle à son habitude, à savoir montage traditionnel de hamac avec le tarp. Et ici on a Michael qui lui se la joue tranquille aujourd'hui. Petit couchage au sol, il a mis le tarp Quechua, donc qui n'est pas tout à fait fini de monter, il n'est pas encore tout à fait tendu parce que ici quelque part là on se laisse un passage pour l'instant, mais en fait il viendra s'accrocher ici sur l'arbre qui est ici. Et puis il pourra éventuellement également le rabattre en canadienne si jamais le temps se détériorait. Alors une petite nouveauté pour ce qui me concerne. Je supporte de moins en moins de m'asseoir. Même le sol, j'ai mal aux genoux. Donc voilà. J'ai investi dans un petit tabouret. Alors Mano, oui, moi je ne l'ai pas fait moi-même celui-ci. Donc il vient de chez Quechua également. C'est un peu le même principe que celui-ci. C'est son petit frère ou son grand frère. Hein. On dit comme on veut. Mais voilà la différence entre les deux. Mika, tu peux t'asseoir s'il te plaît dessus pour qu'on voit un petit peu la différence de position quand tu es sur l'un et quand tu es sur l'autre. Donc là il est sur le entre guillemets le Rhodes. C'est vrai qu'il est bien celui-là au niveau du. Comment ? Au niveau des genoux et tout, c'est vrai qu'il est pas. Ouais, il est un peu plus grand, un peu plus haut. Que sur les pieds. Et puis l'autre, ben voilà. Voilà la différence. Donc là, il a les genoux nettement plus pliés. Ça dépanne pas mal. Hein. Bon, par contre, après, ouais, effectivement, c'est un petit peu beaucoup plus cher. Bonjour tout le monde. Donc actuellement, si vous entendez au loin tambour et chant indien, pas de panique, c'est normal. Séminaire indien, pas loin de notre position. Effectivement. Donc Mika, comme d'hab, ben voilà, il a sorti la Waterling. Et le fou qui bosse.
Je vais zoomer d'ailleurs sur la tente de sudation. C'est comme je viens de le dire, Jus. Il y a un séminaire indien juste un petit peu plus loin. Donc là, j'y vais. Et on voit là-bas, quelque part. Voilà, il y a une pointe orange qu'on voit arriver. Voilà. Et donc là-bas, il y a un séminaire indien avec une tente de sudation. Donc tu nous fais quoi, Julien? Là, il y a un ripila avec andouillette maison. Andouille maison, pardon. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est en train de cuire tout doucement. Donc. Un petit filet d'huile d'olive pour l'ail. De manière à ce qu'il accroche pas. En fait, on est à côté d'un petit lac, puisqu'on est sur une propriété privée, en fait, je crois que je ne l'avais pas dit. Et donc, il y a Sam, mais pas Sam, il y a Max. Max qui s'est donné une gageure, c'est de nous fournir le repas de demain midi, en le pêchant, tout bêtement, en le pêchant. Donc, Maxime... qui est en train d'essayer, je dis bien d'essayer, de récupérer le repas de demain midi. C'est le premier passage. Moi, j'essaierai d'autres techniques. Bon, là, au popper, ça n'a pas l'air de prendre. Il ne doit pas y avoir de belles glaces. Ah, je sais pas, moi, la pêche... Après, on va faire un passage à la cuillère, voir si le brochet est... plus tenté. Ouais, parce que c'est ça le deal quand même, hein. C'est de se taper un petit brochet quand même. Et sinon, on se rabattra sur les carpes. Ah, la carpe. Ici on a Julien qui est sur un petit atelier marque acide silex. Ouais, c'est ça, pour essayer de... Je viens de tester avec le coton en carbo au niveau de cette fameuse fibre là. Ah ouais, ça ils vont le voir sur ta vidéo. Ouais, de chêne donc. Hein. Ouais. Des corses de chêne. Évidemment, je vais me donner une idée par rapport à la matière, enfin la madouvier, quoi. Qu'est-ce que ça peut donner par rapport au coton carbo? C'est-à-dire que tu veux braiser ton amadouvier et puis utiliser ta fibre pour l'allumer. Amadouvier pour allumer la fibre de... D'accord, de chêne. De chêne, comme ça, pour essayer de voir le meilleur compromis entre le coton carbo ou la fibre d'amadouvier, quoi. Waouh. Histoire de... Alors c'est pour ça, c'est les petits ateliers. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et puis, on a un peu de calme là, depuis peu là. C'est avec nos Amérindiens qui sont à fond ce matin. Ouais, c'est dommage que Sam soit pas là d'ailleurs. De l'autre côté de la colline, ah oui. Sam, s'il avait été là, c'est quoi une tente de sudation et tout? Tente de sudation sur un séminaire amérindien. Ouais, d'ailleurs, on doit les entendre de temps en temps chanter sur les vidéos. Oui. Super, vraiment, il s'éclate. Ça joue du tam-tam là, ou du tambour, je sais pas comment on dit, moi je suis pas amérindien moi. Ah, du tambour. Là, je vais aller voir Mika. Hein? Merci Julien. De rien. Aïe, 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 aïe. Oh, t'as vu les progrès que t'as fait en 8 mois toi? Il y a 8 mois on était ici, tu t'étais un tout petit peu raté sur ton pain. Non, j'avais géré, mais dans l'autre sens. J'avais mal géré l'eau. Et donc là, tu vas le mettre à cuire, ça y est? Non, là, je vais le laisser encore un peu reposer. Encore un peu reposer? Je sais pas combien de temps, 10 minutes, un quart d'heure, et puis après, là, ça va être cuisson. De toute façon, on verra le résultat tout à l'heure. D'ailleurs, on pourrait aussi faire une petite dédicace à Gaël. Donc Gaël, si tu nous regardes, eh bien, écoute, dédicace, hein, avec plaisir. C'est vrai, on te fait des bisous Gaël. Avec le cœur. Donc apparemment, Julien est sur un atelier percussion. Alors tu percutes quoi, Julien?
Non, j'étais juste en train d'enlever un petit peu le dépôt de gras de la cuisine de hier soir. Ah merde. Mais suis... il est vrai qu'avec moi, on est habitué. Au... Je me suis fait bluffer là. On peut voir que la pâte a bien monté, elle a bien poussé. Donc on va avoir le droit à deux pains aujourd'hui pour le prix d'un. À savoir un pain aux céréales qu'il est en train de façonner. Et puis un pain blanc qui est dans l'eau de gamelle. Et là, il a retrouvé le sourire, mon Mika. Il était un petit peu anxieux au début, mais là, ça va mieux. Donc, le petit poulet, je dis petit, mais en fait, c'est un euphémisme. C'est comme ça qu'on dit. Il est énorme. On a vu se faire bourrer tout à l'heure par notre ami Julien. Mika qui continue la cuisson de son pain, tranquille. Ça donne quoi, Mika ? On prend un peu plus de temps que d'habitude. Bah là il pleut un petit peu maintenant donc. Donc le poulet il commence à prendre. Ouais, il a. Il prend des belles couleurs, ouais. Ouais, ouais. Tu veux nous voir ça? Bravo, bravo. Oh Mika. La vache. Superbe. Oh, tu peux être fier de toi, Coco. Hein, c'est le plus beau pain que j'ai vu pour le moment sur les vidéos qui tournent. Oh non, il est vraiment trop beau. Écoute-moi ça se brouiller. Oh, oh, oh. Et donc, ce repas va être accompagné par, en termes de boisson. Alors, je crois que c'est une cuvée de chez Max, un Pécharmant, c'est ça? Ouais, il me semble que c'est un Pécharmant 2010. Oui, quelque chose comme ça, donc un produit local. Ah oui. Ouais, ça devrait bien le faire, je pense. Hein. Ça poussera bien le poulet et puis les légumes. Hein. Alors, à ma gauche, Julien qui donne la dernière petite touche aux pommes de terre. Au challenger. Et à ma droite, Mister Mika qui découpe le pain. Et au centre. Au centre, nous avons Max qui vient de se servir. Monsieur Coq. Par contre, j'ai pas allumé la frontale, on t'a pas vu, Max. Il y a toujours un souci de nuance avec son visage. Là, est-ce qu'on va le voir là? Ah oui, c'est en fait parce que je visais ton ventre. Donc il ne veut plus rien y voir après. Sinon, pour ceux qui chercheraient. Et le poulet. Max est B positif, au cas où. Ouais. Ouais, voilà. Alors ça, on va le prouver tout de suite. Voilà. S'il y a une histoire de projet Blair Witch ce soir, vous pourrez. Si j'ai besoin d'être transfusé, je suis positif. Donc le poulet, ça y est, on va lui faire sa fête. Les pimes d'itir sont prêtes. Le pain est découpé. La bouteille est débouchée. Allez. C'est parti, mon kiki. La bonne. Alors, qu'est-ce qu'on mange à midi? On va se rabattre sur les œufs, ça c'est bon, on les a pêchés ceux-là. Donc le challenge a été raté par Max. Ah, donc on va pas manger de brochet ce midi. Il n'y a pas voulu. J'ai insisté pourtant. Donc on va se rabattre quand même sur quelque chose d'assez sympa. Puisque ce seront des aiguillettes de canard avec une omelette à l'ail. Donc le camp est presque rangé. On se fait notre petit dernier repas. Mika n'a pas été mouillé cette nuit. Il a bien dormi. Le pénible de militaire a déjà plié. Le pénible de militaire, c'est qui?
Attention, ça tourne. Petit moment tranquille. Oh, on est bien là. Et Julien, dans la série Après le repos, le repos. Salaud. Ah, j'avoue que je suis bien là. Tirant le soleil. Il y a Mika qui fait du spiritisme là. Il est en train de nous faire la danse du feu. La prière du feu plutôt. Alors ça va être de l'omelette mon coco. Oui. Protéines. Ah, protéines, oui, protéines. Là, il y a au moins 10 protéines. Ah merde, je comprends pas. Youpiou, youpiou, youpiou. Youpiou, youpiou, youpiou. Oh, mazette. Tu veux une petite perche à mettre dans ton amulette? Ah. En direct live. Allô. En direct live. C'est fait. Allez, allô. No kill. Là, tu vois, le binôme, il est arrivé pour faire 1-0, là, tu vois. Ouais, bah là, il te la met bien profond. Hein. Bah, je sais pas où là, il est. Je parle de la perche. Hein. En tout cas, il est content. Il arrive en courant de la digue. Il se frotte les mains. Regarde. Tu veux des œufs? Découpe de l'ail avec le petit couteau. Ceci prend le grand couteau, il y arrive pas. Ouais. Sauf que la machette, c'est moins évident. Ah oui, c'est vrai que ça s'appelle une machette, ton grand couteau. Bon, bah ça va être prêt. Donc une bonne omelette, aiguillette de canard. Et quelques aromates. Bon, bah encore un bivouac qui se termine. Donc, je vais dire merci à Julien et sa petite famille, Max et puis Mika. On a encore passé un bon moment, c'est bien éclaté. Et en plus, on a de la chance, ça se termine sous le soleil. Et puis, je voudrais vous remercier tous également, tous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous, et puis allez, ciao.